Jean-Pierre, merci beaucoup. En Les tout cas, Équadors, merci à toi. Non, non, mais surtout merci à toi. Je sais que ton temps est précieux de Non, venir. non, non, c'est pas précieux mon temps. Je ne fais absolument rien et ça me prend tout mon temps, ça c'est vrai. On aura toujours cette relation un peu particulière entre tous les deux parce qu'on le sait, on s'est connus à travers le Stade Toulousain, oui, on s'est connus à travers d'autres frères, événements. On est un peu frères de jeu et frères de club. Mais c'est on a ça qui porté est les mêmes sympa. couleurs, ouais. C'est vrai. Et ouais, c'est bien. Jean-Pierre, tu vois, avant de venir, je me suis posé plein de questions. J'ai dit, comment je vais l'interviewer? Est-ce que je vais lui raconter son histoire avec le TWEC, avec le Stade Toulousain? Est-ce que je vais parler de l'équipe de France? Je pense que si on fait ça, honnêtement, on en a pour 2 jours. Je lui ai dit, moi, je vais aller à l'essentiel et j'ai envie qu'il me raconte 2 belles histoires. On va commencer sur la première. C'est celle du tournoi gagné en 77, qui est énorme parce que vous gagnez à 15. Oui, c'était un peu l'accomplissement d'un moment magnifique d'une équipe de garçons qui s'étaient rencontrés, qui n'étaient peut-être pas faits pour se rencontrer. C'est ça qui est marrant, parce qu'on était tous différents, tous particuliers, si je puis dire. Et voilà, et c'est quelque chose qui a marché, un peu dans l'adversité, un peu dans la contradiction, un peu dans tout. Mais voilà, et c'est un moment remarquable pour nous, parce que ça est. Enfin, c'est la magie du rugby, quoi. Tu connais bien ça. On n'était pas fait pour se rencontrer. Et puis voilà. On a vécu ensemble un moment extraordinaire. C'était marrant. C'était drôle. C'était très spécial. C'est bien parce que quand tu dis c'était un truc marrant, vous gagnez quand même ce tournoi. Mais surtout, il faut le rappeler, comment on préparait à l'époque un tournoi des 5 nations et non pas des 6 nations? Ben, on préparait comme on pouvait, c'est-à-dire que c'était souvent le soir, les avants et les trois quarts ne faisaient pas bon ménage, donc on se séparait. Il y avait quelques coudées entre nous, et les avants avaient, et surtout les gros de devant, avaient l'habitude de prendre un peu de vin pour s'endormir le soir, pour bien dormir, pour pouvoir être en forme le lendemain. C'était assez, assez particulier, je dois dire. Et c'était créé un peu une histoire. Chacun exagérait un peu et forçait un peu le trait, forcément. Mais on arrivait à croire à des histoires un peu folles et qui nous renforçaient, quoi. On était invincibles, pratiquement. Mais vous l'avez construit comment? C'est-à-dire que sur le premier match, vous avez senti qu'il allait se passer Non, quelque parce chose ou pas? qu'on sent pas. Mais chaque match était. On a passé une période, c'était pas tellement 77, ça a été une période où les garçons se sont. Cette équipe de 77, et notamment ce pack, s'est bâti au fil des matchs. Et puis, on est arrivé à un point que. C'était presque. C'était un peu idiot même, parce qu'on voulait personne d'autre. On voulait jouer à 8 devant comme on était, et à 15, et on ne voulait pas changer. Et tant et si bien qu'une fois, pour la petite histoire, il y a Jean-François Bernon, saute en touche à l'entraînement, il se fracture le péroné, juste à la fin de l'entraînement. Et puis tout le monde va le voir, il avait mal, on lui dit, ben, c'est rien, tu dis rien. Et on se rentraîne l'après-midi, bien sûr, ça avait refroidi, donc il avait très très mal. Et donc l'entraîneur s'aperçoit qu'il boitait, il ne pouvait plus marcher. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est arrivé? Enfin, ils font une radio, ils s'aperçoivent que le perron est cassé. On dit, non, c'est rien, on va le bander, il va jouer avec nous, on va le porter s'il faut. On était arrivé à cette espèce de. Et on ne voulait pas que le remplaçant joue, quel qu'il fût d'ailleurs à l'époque, et ce n'était pas pratique pour lui finalement. Voilà, c'était arrivé à un point de. C'était peut-être un peu idiot, un peu stupide, un peu. On en était là, quoi. Est-ce que c'était pas aussi pour se rassurer? Le fait, tu sais, Bien de dire sûr qu'on de essaie de se rester à 8, rassurer, de... parce que les joueurs de rugby, on est tous des gros sensibles, avec des craintes, des angoisses, et on fait tous des rêves un peu inquiétants, et on se rassure dans les vestiaires, on se rassure dans le regard des autres, on se rassure en regardant, je sais pas, ce qu'on peut, mais c'est vrai que ce sont des moments magiques dans les endroits. Autant magique, mais c'est toujours, il faut se rassurer, se conforter et essayer de rentrer dans le truc. Je ne vais pas t'expliquer comment ça se passe, mais tu le sais mieux que moi, mais c'est ça, et on saura quoi. Les uns ont rassuré les autres et conforté les autres. Et après, bon, ça se passait plutôt bien, on n'était pas. C'était quand même dur, c'était pas. C'était un rugby un peu de tranchée, un rugby
Voilà, c'était on rendait coup pour coup et on n'avait pas de bonne réputation, donc on n'était pas bien accueilli. En termes de réputation, vous n'étiez pas trop mal non plus. Parce qu'il y avait des clients à cette époque. Oui, on avait une réputation qui était un peu méritée. Je dois l'avouer. C'est vrai. Je dois l'avouer. Sincèrement, vous avez servi. J'étais beaucoup spectateur. Quelquefois, on en a assommé quelques-uns. Oui. Il y en avait des sanglants ou pas dans l'équipe? Il y avait des sévères. Ouais. On peut donner des noms ou pas? Je crois qu'on peut donner les noms de ceux qui ne faisaient pas du mal, mais il n'y avait pas beaucoup. Non, c'était très sérieux. C'était des vilains garçons. Aujourd'hui, avec le recul, quel souvenir tu gardes? C'est magnifique, parce que le rugby est merveilleux, c'est ce que je disais tout à l'heure. On se rencontre alors qu'on n'est pas fait pour se rencontrer, et puis c'est magique, voilà. On se reconnaît sans se connaître, et puis on est très différents, mais il y a ce sens commun qui est très fort, il y a cette amitié, on peut l'appeler comme on veut, qui fait qu'on se voit, on se salue, et on n'est pas seul dans la vie. C'est ça qui est important, parce que c'est ce qui est dur aujourd'hui, c'est cette profonde solitude que certains ont. Là, on ne s'est pas vu on se voit pas, on se croise, on se salue, c'est très chaleureux, c'est très... Enfin, moi, je trouve ça très très bien. C'est la différence entre le rugby et la vie. La vie aujourd'hui, ce sont des statistiques. Nous, on est dans la bienveillance, on est dans le sentiment. C'est une question de cœur, voilà. Et je crois qu'on devrait mesurer la vie pas avec des statistiques, mais avec la grosseur du cœur, voilà. Et le rugby fait partie de ce jeu où le cœur est la partie la plus importante pour moi. C'est ni la tête, ni les poumons, ni les pieds, c'est le cœur. Et je crois que ça n'a pas changé, et je suis sûr que ça n'a pas changé. Et il faut parler avec le cœur. Le reste, c'est les statistiques, les trucs, ça m'intéresse pas. Comment on joue, ça m'intéresse pas. C'est pourquoi et avec qui est important. Enfin, pour moi. Mais c'est bien parce que tu utilises ces mots, tu vois, tu parlais de bienveillance, de magie, de famille, parce que c'est un peu aussi... Bah oui, c'est la famille, valeurs, c'est la famille qu'on s'est choisie après. Et voilà, moi j'aime beaucoup ma famille, mais même la famille qui m'a permis à moi d'être... Ça m'a permis sûrement d'être un peu moins mauvais que ce que j'aurais dû être, et ça m'a permis d'être j'étais un petit garçon un peu timide, un peu couvé par ses parents et surtout par ma mère, et surtout très timide, et ça m'a permis peut-être d'être un peu plus sûr peut-être pas sûr, mais un peu moins inquiet, on va dire. Et puis, ça m'a permis d'être un peu plus grand plus tôt, et ça m'a permis aussi, quand j'ai fini de grandir, je ne sais pas si j'ai fini de grandir, de rester un peu enfant par le jeu et par les amis que l'on a et qui sont beaucoup des frères de jeu. Moi, ma vie, elle est là. Mes amis, ils sont dans le rugby, ils sont du rugby, ils ne sont pas d'ailleurs. Ils ne sont pas de l'école, ils ne sont pas ni du lycée, ni de la fac. Ils sont de là, mes amis, ils ne sont pas ailleurs. Une grosse empreinte, hein, comme tu dis. Ah oui, ben enfin, je parle à quelqu'un qui connaît le problème. Tu pourrais parler de la même chose. Même si tu es beaucoup plus jeune, c'est la même chose. Et c'est ce qui est merveilleux. C'est ce qui est merveilleux, c'est que il n'y a pas... C'est la même chose, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Enfin, je trouve ça formidable. Et c'est encore valable. J'ai téléphoné au petit Dupont il y a quelques temps et je lui ai dit combien je trouvais fantastique. Voilà, c'était comme si... Je me demande même si, quelque part, je me dis, mais il est plus vieux que moi ou j'ai joué avec lui. Enfin, il a été surpris tout. Ou pas, que tu l'appelles? Je ne sais pas s'il a été surpris ou pas, mais c'est quelque chose qui m'a... J'avais envie de lui dire, écoute, je suis content, voilà, j'ai joué un peu au rugby, je voulais te dire que tu es champion et que voilà, et que tu as une équipe formidable et que ça se passe bien. Il avait joué les Barbarians, il avait été magique et magnifique. Je pense que ça a dû le toucher, je te rassure, Jean-Pierre. Je poserai la question. Je ne sais pas. Mais peu importe, mais je les trouve tous magnifiques. Alors, j'ai pas le téléphone de tout le monde, et puis je ne suis pas... Je suis pas non plus préposé à faire ça, mais c'est beaucoup d'émotions et ce que j'ai vécu moi, j'ai eu une chance inouïe de rencontrer un jour un homme qui s'appelait Jacky Rouget et que je salue. Mon père, je joue au tennis
Et un jour, il m'a dit, j'étais un petit garçon lymphatique, comme ça, il m'a dit, il faut que tu veux aller jouer au rugby, parce que mon cousin joue au rugby, et ça va te réveiller. Ça ne m'a pas réveillé pour autant, mais, mais il m'a, je suis tombé sur ce monsieur, Jackie, qui m'a donné envie de revenir. Et je crois que c'est important de revenir, et d'avoir envie de revenir. C'est ça qui fait. Voilà, et le rugby m'a permis d'être, encore une fois, un peu moins mauvais que ce que j'aurais dû être, je pense. En tant que je ne peux pas individu. Répondre pour toi parce que tu connais ma réponse. Hein. Non, je sais pas. Deuxième exploit, parce qu'on a parlé bien sûr de ce tournoi à 77. Deuxième exploit pour moi qui est quand même monstrueux, qui m'a servi aussi d'exemple. Oui, puisque toi, tu es à moitié All Black. Peut-être dans le cœur, mais, oui. Mais non, moi, ce qui m'a marqué, c'est cette tournée que vous faites en 81. Ouais. Vous gagnez le deuxième test à Auckland. Ouais. Vous êtes les premiers quand même, il faut le rappeler. Comment ça s'est passé? Parce que le premier test est un premier peu... test, c'est-à-dire que le premier test... On avait une équipe, on avait une bonne équipe, mais on était parti. On a dit on va les bousculer en mêlée, on va les mettre sur le cul. Première mêlée, on a reculé de 10 mètres et on n'avait pas de plan B. Donc c'était un peu difficile. Mais bon, et puis surtout ils avaient une équipe redoutable, animée par des joueurs remarquables et notamment Grant Murray qui était un grand capitaine All Black, avec qui a été vraiment dans la grande filière des grands All Black. Le soir de la défaite, c'était terrible. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y avait Grant Murray, d'ailleurs, il me dit, la semaine prochaine, je dis, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire? Il me dit, c'est impossible. Il me dit, rien n'est impossible. Enfin, c'est pas à cause de ça, on s'est un peu énervé, je me suis un peu mis en colère. On est allé, le lendemain, on est allé. Me suis levé, j'ai dit maintenant il faut. Alors, parce que tout le monde voulait un peu rentrer, c'était un peu la débandade, on avait pris une culottée quand même. Et tout le monde voulait un peu rentrer, c'était le 14 juillet, on dit on va aller sur la plage du côté de Gruissan ou de Narbonne, ils étaient tous de par là. J'ai dit écoutez, avant d'aller sur la plage, on va essayer quand même de relever un peu la tête. Et voilà comment ça s'est passé. Mais c'est pas ça le remarquable, que après il y a eu un concours de circonstances, de ballons qui s'est envolé, des garçons remarquables, des courses de Jérôme, je revois, et tout ça. Mais moi, ce qui m'a impressionné plus, c'est tous ces spectateurs, ces All Blacks, enfin ces Néo-Zélandais sont descendus, ils sont sur nous féliciter. Et c'était des gens qui... moi, je me dis, j'en ai encore honte d'avoir battu ces gens. Pas honte, mais je disais, c'est pas normal. Pourquoi? C'est pas normal. Ouais. Ils sont plus forts que nous, on a profité d'une chance inouïe, et ils ont été tellement forts. Je crois qu'ils ont été encore plus grands dans la défaite que dans la victoire. La victoire, ils nous avaient battus, on les a applaudis, on dit bravo, ils sont forts, on les connaît, c'est le blague. Mais la manière dont ils ont réagi après cette défaite, qui était une défaite pour eux chez eux, c'était quand même pas terrible, ils ont été, mais grandioses. Et ça a été pour moi... Ils ont été plus forts pour moi dans la défaite que en plus c'était pas vraiment une défaite, mais enfin, je les ai trouvés formidables. J'ai dit ça, c'est le plus grand pays du monde. Ils ont, quand on met de la passion et qu'on ajoute de la croyance à tout ça, c'est difficile de les battre. Enfin, tu les connais mieux que moi. Et je crois que c'est ce qui fait leur force. Et on en parlait, c'est leur côté tribal mélangé à cette passion et à cette croyance qu'ils ont, et ce respect profond du passé, de l'histoire, c'est du croyance, c'est religieux leur truc. C'est une prière, c'est très très impressionnant, moi je trouve, et c'est très respectueux, et moi ça m'a donné beaucoup à réfléchir et beaucoup de force. Je crois que ce sont les plus forts du monde parce que, pour moi, ce sont les plus forts parce que ils tirent leur force, ils tirent d'une croyance et pas tellement d'une façon de jouer ou d'un physique supérieur. Ils vont le chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont habités, ces gens. Ils ont une âme et une croyance. Et quand on a ça et qu'on a quelques qualités physiques qu'ils ont, ils sont à peu près indestructibles. On l'a, nous aussi, quelque part, ça. Non, Jean-Pierre? On a une âme, quand même, sur le rugby. On est tellement différents d'eux. On est très différents, parce que nous sommes latins. Et qu'eux ne le sont pas.
Et ils ont cette espèce de, pour nous, de, ils nous admirent à nous. Ils ont beaucoup, parce qu'on a cette intuition, on a des blancos, on a des gens extraordinaires, on a des gens qui, on a cette intuition, ce côté un peu magique de temps en temps où des gens font des choses extraordinaires qui n'ont pas eux, parce que tout est basé sur des choses extrêmement organisées. Alors que nous, on ne joue que quand on a le ballon dans la main. Eux, c'est organisé. C'est organisé. Moi, j'ai eu la chance d'être invité à jouer avec les Blacks. Et on jouait contre les Australiens, et je comprenais rien à leur jeu, mais rien. Je comprenais rien. Je comprenais rien. Pourquoi ? Parce que c'était... Parce que eux, ils jouaient d'abord dans un schéma, ils jouaient par élimination, ouais. C'est-à-dire ils jouent les uns derrière les autres, ils jouent sans le ballon, alors que nous, on ne sait pas jouer sans le ballon. Enfin, à l'époque, maintenant, ça a dû changer, parce qu'on a des grands savants, eux, ils jouent dans l'axe. Ils jouaient dans l'axe et par élimination. Et au bout de 14 impacts... Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est la mathématique primaire. C'est-à-dire que nous, on se faisait des passes latérales. Mais eux, ils jouent dans l'axe. Et moi, je n'ai pas compris qu'ils jouaient dans l'axe. Alors, à force de me prendre des coups dans le dos, j'ai compris qu'il fallait jouer dans l'axe. Mais c'est très différent. Mais par contre, ils ont cette espèce d'admiration pour les Français avec leur fameux French flair, parce qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires. C'est vrai que nous, on avait la chance d'avoir... je parle de Serge Blanco parce qu'il était exceptionnel et imprévisible. On ne savait pas où il allait, lui non plus d'ailleurs, je crois. Mais souvent, il allait marquer des essais. Et c'était extraordinaire. Nous, on bataillait devant pour essayer de faire un jeu égal avec eux. Ouais. C'est le principe du rugby français. On bataille dans le tournoi, on essaie de faire un jeu égal en mêlée, en touche et partager les ballons. Et après, on les donne derrière et on se dit... Si un Blanco en forme, il va leur faire deux trucs, on marque les essais et on gagne. Ouais. Mais bon, s'il n'est pas en forme, on ne gagne pas. Ça se passait toujours comme ça. Enfin, puis nous, c'était plutôt un rugby de tranchée devant où c'était quand même... Enfin, il fallait pas trop passer la ligne parce que... Il ne fallait pas trop mettre les mains dans le dos. Ah non, parce qu'on se faisait marcher dessus. Je trouvais d'ailleurs cette façon de jouer beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à lire au moins, c'était simple. Il y avait une ligne, si on la passait, c'était à tes risques et périls. Tu te faisais un peu marcher sur les... Pris par la patrouille. Pris par la patrouille. L'arbitre laissait un peu faire ça. Je trouve que c'était à l'époque où le coup de pied de haut en bas était autorisé, mais pas celui d'arrière en avant. Donc, mais je trouvais que cette nuance était intéressante. Voilà. C'était une belle définition. Jean-Pierre, on le sait, ton amour est sans borne pour ce sport. Aujourd'hui, quelle est un peu ta perception? Alors moi, j'adore les joueurs. J'adore les joueurs, j'adore le rugby. Ouais. Malheureusement, j'avais pas vu beaucoup ces derniers temps, mais... parce que je n'étais pas là et que dans le... il n'y avait pas la télévision qui marchait au bon endroit. Enfin bref, moi j'aime beaucoup les joueurs, l'émotion, j'aime la bienveillance, j'aime ce club merveilleux qu'est le rugby, cette famille qu'on s'est choisi, et j'aime ça. J'aime ça parce qu'on se téléphone, allô, tu vas bien, on n'est jamais seul, c'est ça qui est merveilleux, et j'aime ça. Le reste, comme je te disais tout à l'heure, quand on joue, on se fait des passes, on se fait pas des passes, on se rend dedans, on se rend pas dedans, je m'en fous un peu, franchement, la manière dont on joue... La manière, ça ne m'intéresse pas, c'est pour qui on joue et avec qui tu joues. Voilà. Après, le reste, tu joues comme tu peux. C'est que la philosophie. Hein. Ouais, oui, après, il y a les grandes explications. En fait, pas les grands savants, mais ça... Les grandes théories. Ça, c'est une autre histoire. Jean-Pierre, j'ai envie de te mettre à contribution. Si aujourd'hui, devant la caméra, tu avais un message à passer aux joueurs de l'équipe de France, cette nouvelle génération, ces jeunes joueurs, tu leur dirais quoi ? Je leur dirais qu'ils sont magnifiques, qu'ils en profitent au maximum, qu'il faut qu'ils s'aiment très fort, parce que il n'y a que dans l'amour qu'on arrive à faire quelque chose, et puis surtout qu'ils soient ce qu'ils sont. Et puis c'est eux les patrons, c'est le jeu appartient aux joueurs. Et ils sont magnifiques, et je leur dis bravo surtout. Merci Jean-Pierre, c'est toi qui es magnifique. Merci. Merci beaucoup.